Salut tout le monde, c'est Sekulon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo présentation du mode Crafting Guide. Donc, le mode Crafting Guide, dans le fond, va te servir à trouver comment tu fais pour crafter un item. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal tous les items. Donc, comment se retrouver? Alors, ça va pas changer grand-chose, donc ça sert à rien. Ok, j'ai fait pour cliquer pour arriver sur ça. Donc, pour sortir, c'est le bouton, même bouton qui est inventaire, dans le fond. Donc, j'ai pesé sur G, puis là, je suis arrivé sur ça. Donc, ici, si je vais ici, donc ça, je vais avoir toutes les crafts. Mais si on dit, je vais savoir, je vais crafter un item. Donc, je vais prendre juste celui-là. Donc, toutes les crafts qui servent sur une table de craft vont être là. Même chose pour si tu veux avoir juste le four. Donc là, c'est sûr que. Donc ça, c'est facile, ça. Mais ça, c'est utile pour les potions. Donc, comment se faire des potions d'invisibilité, des potions de vie, tout ça. Donc c'est bon ça, sauf que si je veux savoir comme un petit élément. Donc là, j'en vais ici. Puis disons que je veux savoir qu'est-ce que ça sert la brique. Donc là, si je clique ici sur Input, ça veut dire comment voyons pourquoi ça fonctionne pas, y a rien. La brique, elle sert à rien. On va prendre le cuir. Ah! Oh! Faut que j'aille tout ici. Donc, dans le fond, ma machine, ça sert à rien. Output, ça sert à rien parce que tu peux juste avoir en dessous. Tu peux pas en fabriquer quelque chose d'autre. Donc là, tu vas avoir le cuir, ça sert à faire ça. Ça sert à ça. Un livre. Puis ça fonctionne aussi pour les mods. Donc, vous voyez ça. Ça, c'est pour un mod. Donc, c'est ça. Un autre exemple, je vais vous reprendre la brique. Donc, ça me sert à faire un pot, de la brique. Et ça, je fais en faisant chauffer de l'argile pour obtenir une brique. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, c'est quoi? Donc, je vous ai dit, ça, check, ça c'est un mode. Comment faire un cooker? Donc, c'est vraiment court comme épisode. Mais c'est ça. Donc, vous avez vu à peu près quoi que ça ressemblait, ce mode. Je sais qu'il y a plusieurs autres modes qui ressemblent à ce mode-ci. Mais j'espère que vous avez aimé quand même ce mode-ci que je viens de vous montrer aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce vert. Ça m'encourage, moi personnellement. Et ça me dit que vous aimez, que je vous présente des modes. Vous pouvez aussi me donner des idées de mode que vous voulez que je présente. Comme vous avez entendu un mode là, que un de vos amis a, puis là vous devriez savoir qu'est-ce que c'est. Mais dis que je sais qu'il y a plusieurs modes que c'est en anglais et que certains connaissent pas l'anglais. Vous pouvez me demander, je vais faire la recherche, puis je peux vous l'expliquer. Ben ça, vous m'écrivez ça dans les commentaires. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez avoir plus. Être aux nouvelles de les vidéos que je mets en ligne, donc que ce soit aventure ou pour les mods. Puis si je pense que c'est pas mal tout ce que j'ai à vous dire. Donc, bye bye!